Salut à tous, c'est Makoyan Minou, on se retrouve pour ce 15ème épisode sur Pokémon Éclat Pourpre. Dans le dernier épisode, on avait fumé la Team Rocket, on s'était bien amusé, on n'était pas mort une seule fois, ce qui est quand même une exception pour ma part. Et donc là, on va aller voir si les bâtiments qui étaient bloqués par la police sont tout simplement accessibles. Donc on avait l'arène qui doit être vers là-bas. Là, on a le centre Pokémon, alors il y a toujours les flics, mais on peut rentrer. Alors, bien le bonjour jeune dresseur, si tu veux un conseil pour réussir cette arène, mémorise bien le trajet que tu empruntes. Tu risques de te perdre plus d'une fois. On sait pas ce que c'est, et là on nous dit... Amadeus Nocturne 20 en Do mineur, d'accord. Du coup, Nocturne, est-ce que ce sera des Pokémon Nocturne, Ténèbres? Le centre commercial. Alors j'espère qu'on va pouvoir acheter des choses, sachant que j'ai pas masse de pognon. Vu que j'étais pas mal mort au début. Alors, DCT. Puissance cachée, ultra laser. Ils sont pas très chers encore, mais bon. Ultra laser, c'est un peu trop cheaté pour le moment. Y a pas beaucoup de PP, ça m'arrange pas. Peut-être pour... ouais, même pour la ligue. C'est trop court en PP, ça. Là, on a point de feu, point de glace, point éclair. Qui sont pas chers. Peut-être. Je vais d'abord voir, parce que moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est les pierres. Mais je regarde quand même les attaques qu'il y a. Mur lumière, je m'en fous. Bon, ça, c'est des attaques de protection, ça ne m'intéresse pas. Et là, ça vend un petit peu de tout. Des balles. Des super potions. Enfin. Bon, il doit bien y avoir quelqu'un qui vend des... Ah, il y a des rappels, cool. Tous les Pokémon capturés ont un numéro d'immatriculation. Ok, ça je le sais. Ah, il faut un échange. Les numéros d'immatriculation, ça identifie lors d'un échange. Ok. Tu peux trouver le tout dans le centre commercial. Ouais, bon, ça m'intéresse pas. Dites-moi qu'il y a des pierres, s'il vous plaît. Il y a plein de balles différentes, c'est cool. Oh là, ils les vendent, les Honor Balls. Alors, ah, les pierres. Putain, c'est con, j'étais à... Je me suis fait chier, j'ai dû capturer au moins 12 mélos avec ce que ça me coûtait en Pokéball. Pour avoir une pierre lune qui m'aurait coûté... Bah déjà moins cher en Pokéball. Mais bon, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que j'ai mon Mercury. On va prendre une pierre foot pour Pika. Et une pierre eau. Pour machin. Allez, c'est parti. On va se faire une petite session évolution. Le sac. Ah, enfin. On va peut-être avoir notre équipe, notre team. Pikachu, je pensais pas le garder, et puis au final, voilà, si je trouve pas mieux en foudre, c'est quand même pas trop mal. Quoi? Pikachu évolue? Et c'est marrant, c'est un peu une coïncidence, mais ce matin j'ai eu mon Raichu sur Pokémon Go, enfin. Faut savoir que au niveau des œufs, je suis pas hyper chanceux. Donc j'ai eu du mal à récupérer tous les bonbons Pikachu. Il m'en manque un ou deux, et en fait avec la fonction compagnon, voilà, j'ai marché quelques kilomètres et j'ai eu les bonbons suffisants. Bon, ça va commencer à nous faire une bonne équipe de bourrin quand même. Typhlosion et Docking Tartare. Félicitations, votre tête tarte évoluant Tartare. Ok, bon bah voilà. Ça, c'est fait. Je vais pas acheter d'autres pierres. Hein. Quand j'étais gosse, c'est ce que je faisais. Je prenais une pierre de chaque au cas où. Ce qui est un peu con. J'ai deux évolus en stock. Donc voilà, qui sait si jamais j'ai un petit besoin. Bon là, ça doit être du coup tous les minéraux. Enfin, tous les macro et micro nutriments, du fer, du calcium, du zinc, du carbone.
Ça coûte extrêmement cher. Et ça me ferait chier d'utiliser ça sur des Pokémon que je vais peut-être virer avant la ligue. Apparemment, le jeu est quand même très très long, donc je vais pas me niquer tout de suite une équipe. Ok, ça c'est du pendant combat, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il nous reste alors? Je me souviens dans les... Clonage? Je vais voir parce que je sais qu'il a charge. Je dis jamais clonage, je vais essayer. Écoutez. Je me souviens dans les premières versions où il y a quelqu'un qui était assoiffé, on lui donnait de l'eau, alors si on lui donnait dans l'ordre de l'eau, du soda et au-dessus je sais plus quoi. Enfin bref, on avait trois attaques différentes, c'était classe. Bon, et ben c'est très cool, c'est très 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 cool puisque j'ai enfin mes pierres. C'est ce que je voulais absolument avant de continuer l'aventure. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté de la reine, qui à mon avis va être encore une fois démentielle. Alors, si c'est des Pokémon de type ténèbres, j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose du tout, en fait. Je vais faire un petit check, me remettre en mémoire en fait toutes les attaques de mes Pokémon. Ah, lui il est full plante, ok. Bon, s'il y a du psy, j'ai toujours une attaque insecte. À défaut d'avoir du spectre, j'ai du poison. Allez, on va se garder Mercury, je vais garder Tartare au début. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, ça y est, je me suis bloqué. Je vais t'écraser comme une puce. Alors j'espère qu'à chaque fois qu'on gagne contre un Gugus, ça nous éclaire un petit peu un périmètre, sinon ça va être bien long comme épisode. Ok, donc ça va être du ténèbre. Bon, je pense qu'en évoluant, il a quand même dû avoir un gros boost d'attaque. Qui est visiblement pas énorme pour l'instant. Et s'ils ont tous une baie et une hyper potion, ça va être hyper balèze. Bon, du coup, on va inaugurer Raichu. Qui reste un petit peu le maillon faible de l'équipe. Mais bon, là je vais essayer de... Après l'arène, je pense que je vais essayer de le mettre en premier et puis de l'entraîner un petit peu. Allez, dis-moi que ça ouvre un peu. Ok, pas du tout, super. Oh. Pff, qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah, quitte à être revenu au départ, hein, je vais me taper un petit peu de soin. Bon alors du coup. Bon là, je vais me téléporter. Voilà. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Oui, ça je sais. Je sais que je peux me retrouver à l'entrée.
On retente l'hypnose. Ouais, ces Pokémon sont hyper rapides de toute façon, c'était sûr. En plus, si je me trompe d'attaque, je perds un tour à chaque fois. Bon, ça va. Je m'en suis pas trop mal sorti là. Je speed parce que je trouve vraiment trop lent les animations de baisse de PV. Ça devrait être voilà. Ça devrait être instantané. J'ai pas vu son Pokémon, je vais laisser Tétart. Un Colomar, d'accord. Pokémon que je trouve qui a assez la classe quand même de cette génération. Bon, il a pas autant la classe que Krabos, mais. Noctali, bah on va le suivre de Tortor là. Il se fait plaisir. Ça serait con de le virer là. Bon, faudrait quand même que je garde du plaquage pour le champion. Bon, ça va pas marcher. S'il empoisonne, je vais mettre du coup Mercury. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, pas énorme PP là-dessus, hein. Il est en train de me niquer à petit feu. Heureusement, j'ai réussi à le battre. Ok. Allez, money, money, donnez-moi de l'argent. Là, je sens que je vais atterrir au début. Est-ce que j'ai pas un petit antidote quand même? On va se faire un petit coup de... Non, boîte de baie, s'il te plaît. Hop. Bon, ça descend assez vite, mais bon, c'est pas cher. On s'en fout. On s'en fout carrément. Hop, alors. Eh merde. Merde, par où j'étais passé pour monter. Oh putain. Ok. Comment je passe? Oh là là. Ces arènes sont franchement balèzes. À chaque fois, je mets du temps. Je suis à la limite, si l'écran bougeait pas, je serais à la limite de mettre des gros coups de marqueur sur mon écran pour délimiter le bordel. Sharpedo, ok. Ok, donc comme ça c'est fait. Adieu.
Adieu. Du coup, j'irai me soigner au prochain, prochaine fois que je sors. Hein. On va faire le classique combo, hein, Vampigraine Giga Sensu, et puis on va attendre. Faut que je récupère des PV. Je vais le laisser, on va faire Vampigraine. Tiens, tiens, tiens. Bon, t'as pas de PV. Au moins, j'ai la Vampigraine. Absol, 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 Absol. On va renvoyer des Tartares. Tartares, pas. Pardon. Bon écoutez, on va se laisser là dans le noir. On va terminer l'épisode ici. Et moi, il y a deux solutions. Je vais voir comment je le sens. Si tout de suite là je tombe sur le champion, j'arrive à trouver le chemin, on se retrouve tout de suite avec le champion. Sinon on se retrouve je referai tout le chemin juste après sur ton Pokémon. Je vais voir. Bon allez, portez-vous bien, c'était Macogne Arminou, bye bye.